C'est vrai que dès qu'on a parlé de fabrique et de chocolat, moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? En manger. Évidemment. Et où, évidemment. Et où est-ce qu'on trouve du bon chocolat ? Chez un maître chocolatier. Et puis, je me suis dit, on va aussi mettre une humoriste dans l'histoire. Comme ça, ça va faire un peu plus rigolo. Et on est allé à Crans-Montana chez David Pasquier. C'est un rideau de chocolat. C'est un rideau de chocolat. Ah ouais, ça fait une heure qu'il attendait. Ça, c'est un rêve. Ah, ça, c'est bon. Bon, il y a 60 kilos. C'est bon, pur comme ça aussi. Enfin. Chocolat noir. Ouais, chocolat grand cru, Venezuela. Vous avez tout compris ? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est... Moi, je vous laisse faire. D'accord. On lance la machine. 3, 2, 1. Ah ouais. On va les suivre. Taille-moi mes hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Chez nous, ils savent qu'on est un peu follow. Donc ils savent que si on fait un chocolat poivron framboise, c'est que normalement c'est bon. C'est bon, ouais. Donc ils sont prêts à suivre le délire. Quoi. À chaque fois, on doit trouver un décor différent. Donc là, on a pensé faire un point de ce chocolat, bon, un tout petit point. Ouais. Hein ? Mais ça, c'est trop basique. Voilà, je me disais bien. Donc, on a pensé éclater ce point. Voilà. Ah ouais. Là, vous vous amusez un peu quand même. Oui. Il faut essayer de centrer le point. Moi, je fais en deux fois. Hop. Sandrine ? Ouh là là, ouais. Non, je vais essayer les petits points. Moi, je pistole. J'ai l'impression d'être dans FBI où ils font Dexter, voilà. Ah, mais c'est Dexter, c'est ce que je cherchais. C'est le laboratoire. Oups, ouais. Celle-ci, hop. Puis si on en fait deux, tac, je fais, voilà. C'est la mienne. Ah, ça fait deux. Après, qu'ils ne soient pas tous pareils, bah, c'est ça c'est aussi qui fait aussi l'originalité. C'est le côté artisanal, on fabrique tout à la main. Hein. Donc, voilà, il y a des petites variations. Le fait de travailler aussi avec des produits frais de la région. Eh ben, une année, la fraise sera peut-être plus sucrée que l'année précédente. Et puis, ben, voilà, on doit jongler avec ça. Et puis, c'est ça aussi qui fait que ben, on se différencie un peu de la grande distribution. Magali et David, vous savez quoi ? Moi, je vais quand même faire une petite sélection pour les copains qui sont sur le plateau. Alors, d'accord. Je vais prendre mon spécial 3 pleins points ici. Voilà. Tac. Et puis des caramels. Ouais, les caramels, on est obligé, hein. Ouais. Tac. Oui. En fait, ouais, on a un deuxième atelier de l'autre côté. Ça va comme ça ? Alors, c'est pour tous les copains. Profitez de cet instant chocolat. Nous, on a bien profité avec Magali. C'est plus un instant, là. Imagine bien que vous avez bien profité. Moi, je veux mon paquet maintenant. Oui, alors, il est où ce paquet ? Ouais. Je l'ai mangé. Évidemment. Mais je vous ai apporté un vrai joli paquet. Joli. Voilà. Et si vous êtes sage, vous pourrez les goûter tout à l'heure. C'est vrai ? Ouais. C'est un vrai artiste. C'est un quoi, vrai artiste. Hein, alors là, on voit une toute petite chose, hein, ouais. Mais c'est un vrai artiste. C'est le maître chocolatier 2013, suisse donc. Et puis, il avait participé au championnat du monde à Paris en octobre 2013. Et Canal 9 était là. Et quand je dis artiste, vous allez voir ce que ça veut dire. Je pense qu'on peut regarder un petit extrait. Le moment où tout peut basculer. Lorsque vous avez posé la statue, il y a eu un gros souci, lequel ? J'ai été déséquilibré sur mon escabeau, et puis ça m'a fait toucher la casserole avec la statue, puis ça l'a brisée. Heureusement, ça n'a pas explosé, sinon il y a tout le chocolat qui coulait. À 12h30, l'épreuve de la pièce artistique prend fin. Le jury entre en action.
Alors, Karim et Julien, on était tous comme ça. C'était quoi? C'était la qualité de la sculpture ou l'idée que ce soit du chocolat? Non, non, la beauté de la sculpture, les traits et tout ça. La qualité. Quand on dit artiste, on est dedans. Oui, oui. Bon, l'artiste nous a proposé les chocolats, mais Magali, elle garde la petite boîte. Alors, est-ce que vous pouvez déjà la remontrer à la caméra, comme ça on les voit bien? Il y a des couleurs incroyables. C'est incroyable. C'est vraiment du chocolat. Magnifique. Et on fait passer ça. Voilà. Merci. Et puis là, il y a encore plein d'autres choses.